Hey yo les gens, c'est Constant62, on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode sur ma petite aventure en hardcore. Alors, second épisode, c'est la deuxième intro que je fais. Je vous rassure, je ne suis pas mort, hein, je n'ai pas fait une save de ma map. Vous le voyez ici, j'ai un petit peu de basalte, j'ai un petit peu pris cher sur 2-3 trucs. Les raisons, du pourquoi, du comment, je vais vous le montrer tout simplement. Alors déjà, c'était il y a de ça, bon ça je l'ai fait il y a déjà plus d'un mois. Grosso modo, bah, j'ai essayé de le tourner à la suite du dernier épisode que vous avez eu. Donc ça remonte un peu il y a beaucoup trop longtemps. Et donc c'est pour ça que je rec à nouveau à zéro. Et vous le voyez, le Nether pour le moment, il est pas ouf. Donc là vous voyez ici de ce côté-là, bah c'est un peu de la merde. Comme vous le voyez, ça ne mène à rien. Et de l'autre côté, j'avais un petit peu miné. Putain, oula, excusez-moi. Je fais un peu le fou. Parce que je n'ai plus l'habitude, mais grosso modo. Sans prendre trop de danger. Voilà ce que j'avais de ce côté-là. Attendez, ici c'est sécurisé, sécurisé. Oui, voilà. Donc voilà, ici j'ai commencé un petit peu à explorer. Basiquement, voilà ce qu'on a. C'est un petit peu la galère. Ce qu'il nous faut qu'on arrive, c'est une forteresse. Une forteresse et une vallée où est-ce que je peux avoir du quartz. Pour le moment, c'est pas encore d'activité. Donc on va falloir aller un petit peu en exploration. Enfin, aller un petit peu en exploration pour trouver tout ça. Enfin, pour trouver la forteresse, du moins, ça va être l'objectif principal. Tout ça pourquoi, vous allez me dire, tout ça pour avoir des potions. Tout simplement pour me faire des potions. Donc, il va me falloir un petit peu de blaze rod, pas non plus des masses, mais un petit peu de blaze rod. D'ailleurs, je sais même pas quelle potion je vais me faire au final. Ouais, je trouverai bien. Je verrai bien. On va se faire ça. Et puis, on se retrouve dès que, bah, comme d'habitude, dès qu'il y a un petit peu d'avancement, quoi. Alors, vous allez me dire, ouais Constant, t'as toujours pas sorti de ta base. Non, regardez-moi ça, bam! J'ai mis tout droit, je suis tombé sur une petite zone, ma foi, fort sympathique, dans laquelle j'avais ce qu'il me fallait, entre guillemets. Et voilà, le souci étant, c'est que celle-ci elle s'use vite. J'ai très peur que j'en ai pas assez, donc je vais en crafter. Et en étant tombé sur une petite vallée. Je suis tombé sur du quartz, bien évidemment. Et je me suis dit, par pure sécurité, on va rentrer à la base. On va s'enchanter l'épée en diams, parce que voilà, pourquoi pas. Pour une tranche en quête, solidité 3. Allez, hop. Voilà, ça fait largement l'affaire. Et on est reparti, hein. Alors, la situation est un petit peu, comme qui dirait, délicate. comme vous voyez, je me fais défoncer la gueule par des ghasts. Et ils m'ont totalement niqué mon escalier ici. Oh le bazar. Ouais. Ah, et j'ai perdu toutes mes pioches en fer. Vous voyez que c'était pas trop de faire ces pioches en fer. Mais voilà. Le problème c'est que c'est ghast de mort. Et bien sûr, il veut plus rien là. Ça va être compliqué, complicado de redescendre là tout de suite. En plus, il y a pas mal de mobs, squelettes, tout ça, machin. J'ai pas prévu d'arc. Je pense qu'on va devoir en prévoir un de toute façon. On va devoir se rentrer à la base. Mon passage safe là est opérationnel. C'est-à-dire que j'ai fait un big tunnel pour revenir jusqu'ici en toute tranquillité. Parce que j'avais trouvé une petite forteresse, ma foi, bien sympathique. Je vais vous montrer. Elle est dans un biome. Alors je vous montrer parce qu'ici j'ai vu un très beau point de vue de ce côté-là. Elle est dans un biome sous le centre vallée là. Regardez-moi cette beauté-là. Bon, après le problème c'est que ouais, c'est un petit peu dangereux de descendre par ici, je vous... C'est vrai, hein. On va close cet endroit-là, je rentre à la base, je me fais un petit arc quand même. Parce que c'est pas que ça va être compliqué là, mais ça va être compliqué. Et on se retrouve un peu après, dès qu'on arrive vraiment dans la forteresse là, pour de vrai. Bon, mine de rien, ça a pris un petit peu de temps quand même pour revenir ici. Hop, un petit arc. Oh! Puissance 4, solidité 3, frappe 2. Il est pas dégueulasse. Alors le seul défaut c'est qu'on n'a pas beaucoup de flèches. Après est-ce que c'est si grave? Je ne pense pas. Juste on va faire ce tutoriel là qui commence à m'énerver. Oh à droite, voilà. Let's go. Bon, on va pouvoir être reparti dans le Nether. Et si on normalement cette fois c'est la bonne. On devrait pouvoir aller jusque tout simplement la putain de forteresse, hein. C'est par où déjà? C'est par là. Je refais le trajet dans le sens inverse, encore une fois. Et qu'est-ce que je vous aime quand même pour faire ça, hein. Je refais le trajet et la forteresse, on y go. Bon, alors nous voilà de retour ici.
y a plus de ghast évidemment, parce que le temps qu'on parte et tout machin. Par contre, il y a des piglins là-bas. Quand c'est pas un problème, c'est l'autre. Alors, escalier hautement sécurisé, approuvé par la NASA. Ça, je peux le casser. Ouais, ouais, il y a la NASA, si vous posez la question. Mais la NASA, en fait, elle joue avec moi, en fait. Hein. J'ai le directeur qui... Oui, on se fait des petites sessions Minecraft, là, comme ça. J'aurais dû me reprendre une pioche haute que ma pioche en diams. J'allais dire, je vais la poser dans un coffre, si je meurs comme ça, je pourrais la récupérer après, mais... Et c'est vrai que le principe de cette série, c'est si je meurs, tout s'arrête maintenant. Donc là-bas, on va éviter de trop y aller. Hop, je vais juste screen un peu un coup les coordonnées. On sait jamais. Voilà. Maintenant qu'on est arrivé sur ça... Pour descendre dans la forteresse, ça va pas être facile. Même très compliqué. Et je vois déjà des blazes et des différentes merdouilles qui sont en train de spawn là-bas. Et toi, bonjour. Voilà. Donne-moi des flèches. On va se trouver un petit accès, j'allais dire tranquillement, mais non, juste sécurisé, s'il vous plaît. Ça me paraît être pas mal pendant qu'il y a un ghast alors que ça charge qui me fait ça. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Voilà, dans la ligne de mire. Il nous a drop quelque chose, j'espère quand même. Même pas. Oh le salaud. Il y en a un deuxième, il est où? Eh mais c'est pas possible hein. Eh Minecraft ça a changé hein. Minecraft ça a changé les gens hein. Regardez-le là en face. Bam! Retour à l'envoyeur, let's go. Bon allez, j'essaye de me sécuriser les accès mais sécuriser la forteresse, mais sécuriser mes accès à la forteresse et on se retrouve tout de suite après. Ok, donc là on arrive sur une zone. Voilà, c'est j'allais dire sécurisé, pas du tout là. On va arriver sur l'espèce de petit promontoire là avec des blazes qui sont juste ici et j'ai pas 15 milliards de flèches. Non, tu me vois pas toi? Non, c'est faux. Non, vous ne me voyez pas. Ils vont me faire tomber, hein, c'est con. En plus de potentiellement me mettre en feu, ils vont me faire tomber hein, s'ils me tirent dessus. Mais regardez tout ce qu'il y a. Regardez. C'est pas possible. Hein. Eh, c'est pas possible. C'est juste invivable là, dis donc. Okay, je me fais tirer dessus déjà là. Le mec, il est là-bas. Regardez, moi, c'est sniper là. Ça va être, ça va être infaisable hein, cette forteresse. Hein. Oula. Eh, je n'existe plus. Hein. Et perdez l'aggro sur moi là. Par contre, ça va m'énerver très vite, si tu le sens. Ouais voilà, j'existe pas hein. Regardez, hop, ta la la la. Tout va bien, et y a ici, il y a Mass Wither Skelet aussi, également. Et voilà, et tout ce que je voulais pas qui arrive. Oh punaise. Ils ont réussi à m'avoir. Je vous préviens, ça m'a fait super peur. Là je... Je suis en mode survie là en fait hein. C'est... Le fait d'avoir qu'une seule vie, ça renforce tellement l'expérience de gameplay, c'est incroyable. Allez où? Ok, maintenant faut que je fasse une descente là-dedans. Une terrible forteresse. Ouais. Vous l'avez vu comme moi le Wither Skelet là? Ça, ça va être marrant aussi là, gérer les Wither Skelet. Je crois qu'on va devoir foutre des... Vous savez là les... Voilà. Comment ça s'appelle là? Le fait de mettre les barrières là, ici à 3 blocs de haut. Voilà, comme ça ils peuvent pas passer. Bon, allez, on va par où? On va par où? On va par où? On va par là.
S'il y a un Blaze de format. Ah, là ici, lui. Bonjour monsieur. Merci monsieur. Alors, premier bâton de Blaze. Bon, il nous en faut combien? Eh, on va dire qu'il nous en faut une petite dizaine à peine, même pas. Pour que ce soit correct. On va utiliser ça pour. Voilà, on va utiliser ça et ça pour avancer. Il m'a rien drop, c'est pas grave. Ici, pas de wizard squelette. Toi, bonjour. Ok, hop. Le problème, c'est qu'on a que 21 flèches, hein. Et c'est pas beaucoup, hein. Toujours pas d'autres Baton Blaze. Bonjour, monsieur le wizard. Vous voulez pas me prendre l'aggro sur moi? Si vous voulez prendre l'aggro sur moi, pour que je puisse avancer ensuite. Gardez-moi cette technique là. Bam! Ok, bug vacuum droit devant. Alors de souvenir, ces merdes là elles font extrêmement mal. Voilà, mais c'est géré, c'est opérationnel. Et j'ai eu qu'une seule magma ball. Super. Bon, on a toujours pas de Baton Blaze. Il nous en faudra un peu plus. Après, on n'a toujours pas trouvé de chest là. C'est une blague aussi ça, les chests. C'est... Je me fais troll. Je me fais prank. C'est quoi ces snipers là? Oh, bonjour toi. Toi, je crois que tu vas m'énerver. T'as quand même réussi à tirer, hein, le con. Ouais, on va y aller un par un. Et toi, il va tomber du haut. Là, quand je vais revenir, genre, refais mes stocks de charbon. Et toi, tu viens, merci. Comme ça on dégage ce passage. Ok, on s'en fout, on trace. On trace, rien à foutre. Et bonjour toi. Il y en avait un juste derrière. Mais ils sont partout. Et je vais crever. Bon, bon, j'avais pas prévu de finir la série maintenant, mais je m'attendais pas à ce que le nether soit si compliqué, putain. Oh, bordel de merde. C'était prévisible. Et je me sens pas con, parce que du coup ça me fait une série avec deux épisodes, hein. C'est cool. Non, je déconne. Bah ouais, le nether aura été compliqué et voilà. On va devenir spectateur, hein, c'est pas grave. Ouais, ouh, pour visiter, ah, pour revisiter notre monde comme ça. Mais ça c'est cool, au moins on peut voir ce qu'on a fait, hein. Un champ et une maison, quoi. Oh punaise. Qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer ça? Non, bah ouais. On aura pas fait au final tant de choses là-dedans. Enfin, pas en tout cas, vous aurez pas vu tant de choses. Moi, en vrai, je me serais bien amusé. J'aurais fait pas mal de trucs, mais voilà. Par contre, je me demande si on avait vraiment une ancienne ville, en fait, sur notre... Parce que vous vous souvenez, on avait entendu le Warden et... Ah, c'est là-bas. Ok, en fait, c'est pas une ancienne cité, c'est juste un... Et juste ça, ça les fait spawn. Punaise, d'accord. Mais je pensais pas que... Hey, il y en a là, ici aussi. Mais ça mène vers une ancienne cité, ça, tout ça. Et si ça charge pas? Ah, si, ça charge, mais difficilement. Ouais, en fait, tout ça, là, regardez. Ah, mais...
D'accord, il y avait des couloirs entiers là, ou est-ce que c'était que ça? Et bah ouais. Je sais pas dans quelles conditions on aurait combattu le Warden, mais il y avait des couloirs entiers là, ou est-ce que c'était devenu des... Mais j'en avais découvert aucun, c'est pas possible, pourtant j'avais bien exploré les environs quoi. Oh par contre là, elle est vachement sympa avec la petite lumière qu'elle fait là. Ouais, non, j'en avais découvert aucun dans les environs. Bah voilà, bon bah c'est dommage hein. C'est dommage, je suis déçu là. Je pensais pas que ça se finirait comme ça. J'ai rien d'autre de dire de plus là, c'est... Je suis déçu de ma performance en fait. C'est ridicule à quel point je suis mort comme un peu comme une merde. Alors je prends 3 milliards de précautions. J'ai voulu tryhard et j'ai voulu aller trop vite. Et je me suis fait avoir. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Je sais pas trop ce qu'on fera par la suite, mais voilà. Sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, hein, abonnez-vous, et puis ciao bye bye les gens!